C'est un plaisir de repartir au combat à vos côtés. Pas encore. Capitaine avait un air sinistre aujourd'hui. Un messager est arrivé pendant la nuit. Les gradés savent quelque chose qu'ils ont gardé pour eux. Peut-être que venir ici était une erreur encore plus grosse que je peux. Tous mourir. N'arrêtez pas de bouger, ou le froid vous gagnera. Fuyez !
encore à dire. Nous avons fui. Pas encore. Tout donc à la peur. Donjon s'écroule. Grâce au problème, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a d'autres qui arrivent d'en bas, capitaine. Qu'est-ce qu'on fait? Soldats, s'il faut vous montrer par quel bout on tient l'épée, c'est que vous n'avez pas été attentif. Battez-vous jusqu'au dernier souffle, les gars! C'était un ennemi estimable. Glorieux combat. Ah
Notre peuple n'a peut-être plus de terre, mais survivrait. Du moment que vous m'achetez quelque chose. Sont arrivés alors qu'il faisait nuit noire, silencieux comme la mort. La garde a été balayée en quelques instants. Depuis, c'est un massacre sans fin. Ces créatures, elles sortent tout droit d'un cauchemar. Je ne crois pas que je reviendrai un jour, Anna. Je suis désolé. C'est sans espoir. Battez-vous avec vos tripes. Là, un adversaire à ma mesure. Glorieux combat! Parfait. Protégeons-les pendant qu'ils la mettent. Thank you.
ici. Surtout pas attention à moi. Je vais tranquillement continuer à essayer de dresser cette saleté de catapulte énorme sans que personne m'aide. Pas de soucis. Fort pour te lever seul. Est-ce que tu pourrais demander à notre ami qui est là de nous donner un petit coup de main si ça ne t'effrise pas trop? Et voilà. Peuple n'a peut-être plus de terre, mais je survivrai. Je me suis frotté à la vie d'aventurier. Ça me bottait pas. Ça fait trop mal, et ça rapporte pas assez. Les démons sont dans nos murs! Ils remontent des profondeurs! Aux armes! Aux armes! Ça ne mérite même pas le nom d'embuscade, de toute façon. Les démons. Alors.
J'apporte un message du roi de l'Ouest Marche. Accepte-t-il enfin d'envoyer le... Les faucheurs d'âmes sont le fléau des vivants. Des créatures nées du mal éternel qui bouillonnent dans le chaudron des enfers. Agiles et véloces, les faucheurs se déplacent rapidement en projetant leur langue sur leur proie, puis en leur sautant dessus. Ils sont encore... On ne peut plus leur faire lâcher prise. Ils ont déjà commencé à se repaître. Plus personne au monde n'est en sécurité maintenant. Bonne idée. J'ai eu la chance dans mon jeune temps d'en apprendre beaucoup sur l'histoire complexe des barbares. Pourtant, les origines de ces immenses et puissants guerriers restent nébuleuses. Certaines légendes les présentent comme la progéniture de Vulcatos, un ancien qui incarnait leur idéal de force, de bravoure, pas encore. Quelle créature monstrueuse! Les enfants de Vulcatos s'étaient installés dans les plaines du Nord, une région connue de nos jours sous le nom de Terre des Froids. Leur culture était essentiellement nomade et tribale, même s'ils disposaient de quelques noms comme Sécheron ou Arogat. Les barbares étaient gouvernés par un groupe de guerriers vétérans très respectés, le Conseil des Anciens. Yeah!
Pas encore. C'est un adversaire digne de nous. Mes plaies sont pansées. Ce donjon est conçu pour abriter une garnison de 3000. Il y en avait à peine le tiers quand les démons sont arrivés. Pourquoi si peu d'hommes? Les hommes et leurs dirigeants ont peur de se préparer aux catastrophes, car ils croient que ça ne fait que les provoquer. Les imbéciles. Ce n'est pas encore prêt. Notre peuple n'a peut-être plus de terre, mais survivrait. Du moment.
Le mal enserre le donjon. Nous devons protéger les innocents. J'entends généralement les trembleurs démoniaques avant de les voir. Pas encore. Ces mastodontes fantômes se déplacent lentement en marcelant le sol de l'obscurité. Plus d'un chef a été brisé par les assauts des trembleurs. Et plus encore d'ennemis ont succombé à leur fureur. Faut encore attendre. Je prie pour que le monde ne revoie jamais ses morts. Voilà. Rien ne m'arrivera. L'ennemi se dresse devant nous. Pas encore. Et il est à nous.
J'ai réussi à piéger des démons énormes dans la pièce d'à côté. Je prie pour que les portes tiennent le coup. Il faut leur régler leur compte. Mais ils sont trop costauds pour moi. Pas encore. Quelle créature monstrueuse! Nos hivers sont rudes en Westmarch. Les barbares ont toujours défendu leur terre septentrionale des intrusions. D'après leur tradition, ils ont pour mission sacrée de protéger du monde extérieur le mont Ard. Impressionnant. Ce combat n'était pas ordinaire. Vous ne vous demandez jamais pourquoi Lyndon reste avec nous ? Je pensais qu'il aurait pris ses jambes à son cou depuis longtemps. Peut-être a-t-il encore quelque chose à gagner dans notre quête. Nous ne sommes pas seuls ici. Yeah.
Imposant des lieutenants du péché d'Asmodan, et il ne possède pas moins de 4 bouches. Son appétit est sans conteste sa meilleure arme, mais ses jets de bile et, disons, d'autres sécrétions nocives n'en sont pas moins meurtriers. Lors de la dernière bataille où il fut aperçu, le seigneur... On dirait que les prisonniers humains paniquent à présent. Une victoire inepte sur un fond inepte. Tu ne fais que retarder ton inévitable destruction. Tes murs ne sont pas plus solides qu'avant. Notre assaut ne fléchit pas. La pierre sera à moi. Tout le monde ne peut pas être guerrier. Faut bien que certains s'occupent de vendre le matériel. Notre peuple n'a peut-être plus de terre, mais survivrait. Je suis venu ici pour creuser. S'ils essaient de me faire partir, il va y avoir de la castagne. Approche. Admettons que certains de mes articles proviennent de soldats morts. Et après ? Ils en ont plus besoin, pas vrai? Admettons que certains de mes articles proviennent de soldats morts. Et après, ils en ont plus besoin. J'arrive plus à la contrôler!
paraît qu'il a vaincu Bélial à Calais. C'est bon d'être de retour sur un champ de bataille. Faire à ma mesure. Encore à l'eau. Une fois... C'était un ennemi estimable. Glorieux combat. Les piqueurs tourmentés ressemblent peut-être à des scorpions géants. Mais en réalité, ils sont assemblés à partir de cadavres d'humains sacrifiés. Les démons modèlent leurs victimes et leur donne la forme distinctive du piqueur en ouvrant leur cage thoracique et en mutilant horriblement leurs membres inférieurs. Rendues folles de douleur, ces créatures peuvent empoisonner leur proie d'un seul coup. Le donjon de la redoute fut jadis une magnifique forteresse. Comment a-t-il pu sombrer? Les machines de siège démoniaque mettrait à mal même la plus puissante des forteresses. Merci à vous. Y a-t-il une famille qui vous attend là d'où vous venez? L'acier de mes armes et mes compagnons d'aventure sont toute la famille dont j'ai besoin. Oui. Les liens qui unissent les frères d'armes sont aussi forts que ceux du sang.
Un adversaire à ma mesure. C'était un adversaire digne de nous. J'espère qu'Erena sortira de tout ceci sans encombre. Le donjon de la Redoute est plein de mort et de désespoir. Elle n'est pas aussi fragile que vous voulez le croire. Elle va bien. Heures de recherche, dans chaque recoin de la grande bibliothèque de Caldeon, je n'ai pu trouver le moindre éclairage sur le véritable destin des Khazra du clan du sang. Quelques feuillets jaunis font allusion à un pacte d'allégeance au milieu du monde intérieur. Le ne saurait accorder un quelconque crédit à une source aussi douteuse, n'est-ce pas? Thank you.
Excellent choix. Par tout ce qui est sacré, avez-vous vu cet ennemi? Pas encore. Akarat, sois loué. Vous êtes là. Ils ne pourront plus nous arrêter maintenant. Pas encore. Pas encore. Je suis né pour cette bataille. Le pont de Corsis. Je n'aurais jamais cru pouvoir le passer.
Notre peuple n'a peut-être plus de terre, mais je survivrai. Du moment que vous m'achetez quelque chose. Attention, ça fait des heures qu'il tourne. Maintenant, les suppôts des enfers regrettent leur témérité. Thank you.
pas encore. Il est trop tard. Laissez-moi crever. Prenez ça. J'en aurai plus besoin. Ce qui est sacré. Avez-vous vu cet ennemi ? Faut encore un peu. Nous avons réussi. On dit qu'Asmodan est le plus grand commandant militaire de tous les enfers. C'est là qu'elle tombe comme des fétus de paille. Un grand commandant. Notre peuple n'a peut-être plus de terre, mais survivrait. Du moment que vous m'achetez quelque chose. Pas encore. Thank you.
que ces hommes aient tenu si longtemps face à des ennemis si redoutables témoigne vraiment de leur valeur. C'est vrai. Ils ont prouvé qu'ils avaient l'étoffe des guerriers. Qui était vivifiant. Excellent. Tout ce qui est sacré. Avez-vous vu cet ennemi ? Par la lumière, ce ne peut être que le trébuchet. À l'attaque ! En avant. Nous avons travaillé dur pour reforger l'épée de la justice. Pas encore. Je
n'est pas encore prêt. Retourne aux enfers, vengeance démoniaque. Vous avez vu tout, mais... Et voilà ! Chargez ! Leurs saletés volantes nous font enfin l'honneur de nous rendre visite. Abattez-les ! Le ventre nous freine à faire. Ils essaient de nous tendre une embuscade. Comme c'est mignon. C'est les derniers de ces sales petits hurleurs. Massacrez-les tous. Vous avez vu leur tête? Les démons n'aiment pas trop mes blessures. Reposez-vous. Ne perdez pas de temps à vous. Thank you.
Qu'est-ce qui est à... Je vois. Attention! Je me suis frotté à la vie d'aventurier. Ça me bottait pas. Ça fait trop mal. Et ça rapporte pas assez. Maman, il se passe quoi ? J'ai été bête, excuse-moi. Bien sûr. J'ai tout... Admettons que certains de mes articles proviennent de soldats morts. Et après, ils en ont plus besoin. Pas vrai? Laissez-moi partir. Je peux encore me battre. J'étais venu ici pour creuser. S'ils essaient de me faire partir, il va y avoir de la castagne. Une vieille bouteille de vin toute poussiéreuse planquée dans un trou dans le mur. Cette place forte a été construite par Fekustel, architecte renommé. Disparaît de ce monde. Ça. J'arrive à respirer. Encore une vie pour laquelle les enfers devront payer. Thank you.
Là, un adversaire à ma mesure. Encore un adversaire digne de nous. Le faire un jour, si nous survivons à cette bataille. Assurément, j'en serais honoré. C'est un adversaire digne de nous. Il y a bien des siècles de cela, le roi Corsique fit ériger le donjon de la Redoute pour contenir la menace barbare au nord. Après plusieurs années de désastres militaires, le bon roi, frustré de ses débâcles,
pris la tête d'une grande armée et parti vers le nord pour conquérir les terres barbares une bonne fois pour toutes. Pas un homme n'en revint.